Elle a été pendant longtemps le visage de Manon des Sources. Laissez-moi vous parler aujourd'hui de Jacqueline Pagnol. Le 22 août 2016 nous a quitté Jacqueline Pagnol, l'épouse du célèbre écrivain marseillais. Et c'est effectivement elle qui a inspiré son mari pour d'abord le tournage de Manon des Sources, puis pour la rédaction de L'eau des collines, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Et même si Marcel disait d'elle qu'elle était son brin de poésie et de tendresse, ce qui est très mignon, elle n'est malheureusement pas la seule femme de la vie de Pagnol, puisque sa principale maîtresse, Aurane de Mazis, est également une des principales interprètes des rôles des pièces de Pagnol, puisque c'est notamment elle qui joue Fanny dans la trilogie marseillaise. Malheureusement, les actrices qui obtiennent des rôles sur les canapés, ça date pas d'aujourd'hui. Bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle anecdote.